Bonjour, je suis Saint-Just-Orly. Je suis avec vous pour participer dans ce challenge lecture d'urgence. Donc, je vais vous lire quelques pages d'un livre de Franck Étienne intitulé La Diluvienne. Alors, je me lance. Ville instable, pataugeant dans la succulence des turbulences et des bourrasques meurtrières. Ville masochiste, suçant voluptueusement le poison des saisons virulentes. Levé, soulevé, jacquée brisée, le difficile à vivre, l'anxiété perpétuelle, la pesanteur de la terreur, l'interminable nuit de toutes les épouvantes oppressant la ville d'une surcharge de tracasseries macabreuses et de macachias lugubres. Vertigineuse, la ménagerie des eaux déboulonnées, une orangerie de flammes aquatiques, invertébrées et voraces. L'horlogerie des douleurs, inapaisable, inventoriait les heures lépreuses en un dédale de cicatrices éclatées. Une éclosion de plaies énigmatiques et de blessures bavardes. Une explosion de paupières en averse d'étincelles et de fleurs éphémères. La subversive violence a fécondé la rage de tambours affamés. Quelle naissance d'îles ténébreuses pourrions-nous imaginer de l'accouplement des eaux furibondes et du feu sanglant? Ricanement et déhanchement des meurtriers, gesticulations et vociférations des bourreaux.